Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Montarville pour sa déclaration. À vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais souligner aujourd'hui le 50e anniversaire de la paroisse Saint-Augustine of Canterbury, située à Saint-Bruno-de-Montarville, une paroisse anglophone où la vie communautaire et spirituelle y est très active, ouverte et accueillante. À l'époque, le nom avait été suggéré par Mgr Gilles Gervais, curé de la paroisse Saint-Bruno, en l'honneur de l'évêque de Rome envoyé en Angleterre pour prêcher l'Évangile à la demande des rois anglais. Ceci dit, je vous invite, Monsieur le Président, à vous rendre à Saint-Bruno de Montarville pour y visiter la splendide église de cette paroisse. Vous pourrez y admirer, entre autres, les autels réalisés par le célèbre sculpteur Jordi Bonnet. Alors, grâce à l'omniprésence du bois et à un éclairage judicieux, l'intérieur de cette église dégage une atmosphère paisible, chaleureuse et unique. Elle est magnifique. Alors, cette année de festivités se terminera par une célébration le 23 novembre prochain, présidé par l'évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, Mgr Lionel Gendron. Encore une fois, joyeux anniversaire, joyeux 50e à tous les paroissiens. Merci, M. le Président. Merci.